3, 2, 1, partez! Vas-y. Hey, mais quand tu commences, des fois, tu sais pas pourquoi, mais... Ah, mais attends. Il y a un truc que je suis en train de me dire, mais les circuits... Droite léger. Les circuits, là, les 8, 6 et 4... Gauche moyen. Sur, ce serait droite pas... moyen. Ce serait pas par hasard des circuits gauche à l'envers? Droite moyen. J'ai l'impression. On dirait des circuits à l'envers. Les circuits des championnats. Les championnats, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Là, on est en mode arcade. J'ai l'impression que c'est juste les mêmes à l'envers. Non, non, je crois qu'il y en a quand même certains qui sont différents. Droite léger. Parce que Corse, par exemple, il n'y a léger. Jamais eu que des lignes droites, droite je crois. Léger. Enfin, des lignes droites. Il y a léger. Un drapeau arrivé et un drapeau départ. Il n'y a pas de drapeau départ et arrivé en même temps. Il y a deux drapeaux. Droite léger. Yeah. Droite léger. C'était quoi ce rame? Droite léger. Droite léger. D'ailleurs PSX du coup il est cassé, donc je pense que pour Metal Gear Solid 1 je vais voir pour gauche léger. S'il est possible ici de changer la manette en port 2. Gauche léger. Sur PSX E. On va voir ce que ça donne parce que j'ai pas encore testé mais pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait il y a 3 ans une série sur Metal Gear Solid 1 qui n'est jamais sortie. Parce que j'ai dû m'arrêter à Psychomantis à cause de la fameuse histoire droite de la manette dans le port 2. Parce que sinon Psychomantis lit tous les mouvements de ta manette 1. Il sait exactement sur quel bouton tu appuies. Quelque chose qui est très intelligent d'ailleurs pour un jeu comme ça. Et du coup pour le battre il faut le déstabiliser. Et comment faire pour le déstabiliser? Il faut... droite léger. Parfait. Il faut changer le port de la manette du port 1 au port 2. Et le problème c'est que sur émulateur c'est vraiment pas facile. Et oh il est facile celui-là. Et le problème des ports de manette c'est que je ne sais pas comment faire sur émulateur. J'ai déjà essayé une fois, ça a rien fait du tout. Et bah en même temps c'était sur PSX. Donc là c'est 2 EPSX E. Partez. On verra ce que ça donne. Parce que en fait, si j'aimais pas trop EPSXE, c'est surtout à cause droite du fait qu'il n'y avait pas le lecteur. Enfin, t'as pas léger. Le... Tu sais, le truc avec les... comment ça s'appelle? Droite moyen. Tu sais, c'est le truc là gauche avec les options droite et tout. Gauche léger. Gauche léger. Droite et ça, léger. Je l'avais pas. Donc du coup, c'est pour ça que j'aimais pas trop EPSXE. Mais il y a pas longtemps, j'ai trouvé léger. Justement comment léger. Faire apparaître les options. Je sais où il faut aller. En fait c'était à Rome Station, mais je pense que si j'avais eu l'émulateur comme ça tout seul, je pense que j'aurais eu direct le, gauche le léger, droite léger. La console. Droite léger, gauche sauf léger. Sauf que là je l'avais pas et... Oula, waouh. Ah ouais, on est capable de faire ça dans ce jeu quand même. Les voitures c'est tellement des ragdolls. Gauche léger, droite léger, gauche léger. Ah, par contre gauche léger, droite léger. Serpentin, le chemin. Droite à... léger. Gauche léger. Droite léger. Droite léger. Donc du coup pour EPSXE, je vais essayer de voir si grâce à ce gauche léger, droite cet émulateur là, léger. Je peux droite changer léger. De port de manette. La manette 2. Parce que le problème c'est que si j'ai besoin d'une deuxième manette pour pouvoir continuer gauche mon léger. Let's play, ça me fait chier parce que j'en ai qu'une en fait. Droite moyen. J'ai une Afterglow, hein, vous savez, des trucs pour PS3. Sauf que le problème, droite léger. Bah c'est justement que j'en ai qu'une. Donc gauche si léger. Jamais droite il m'en faut deux. Et que le fait droite de switch léger, une manette léger. De port 1 à port 2 ça marche gauche pas léger, sur les émulateurs, il y a un problème. Léger. Parce que moi pour Psychomantis je peux pas avancer parce que c'est l'un des rares léger, jeux, d'ailleurs le seul jeu de PS1 que je connaisse, qui ait besoin de modifier le port de la manette pour gauche pouvoir moyen. Avancer dans le jeu. Parce que le boss de Psychomantis est infaisable hors du port 2 en fait. C'est ça que je comprends pas. C'est pourquoi ils ont fait un gameplay comme ça. Mais enfin. Non, c'est pas ça que je comprends pas, c'est pourquoi dans les... C'est comme, tu sais, c'est... Je regardais mon téléphone et là je vois que EPSXE a cessé de fonctionner. D'accord, très bien.
Partez. Partez. Ah oui, mince. Je vérifie juste un truc. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Je voulais juste vérifier si tout marchait bien. Parce que en fait, je vérifie souvent. Allez go. Mon émulateur a crash. Wow. Wow, wow, wow. Gauche moyen. Sûr, ok, gauche elle est... moyen. Alors elle est pas faite pour le bitume. Gauche léger, droite léger. Bon, clairement pas, elle est pas faite pour le bitume. Gauche bon après je vous avoue que depuis tout à l'heure je suis en train de répondre sur téléphone en même temps. Je suis pas forcément droite ce qu'il y a de plus concentré. Mais je fais déjà du mieux que je peux. Oula 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 oula. Non fais pas ça. Ouah. Ah oui non mais la Seat Ibiza droite elle est dure. Clairement pas faite pour la ville. Clairement droite pas. Hop. Non. Mais elle tourne trop mal. Je pensais pas que EPSXE cracherait aussi. Vraiment, je pensais pas. Gauche dure. Gauche dure. Où ça? Là. Ouais, au niveau des dérapages, c'est peut-être elle est peut-être meilleure. C'est tout. Gauche moyen, dure, droite moyen. Droite dure. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Et en plus, il prévoit déjà ça. C'est la seule chose qu'elle arrive ici, en fait. Les virages moyens, c'est le pire. Droite dure. Attention. Mais non, ça marche pas. C'est définitivement trop dur. Allez, mettez-moi là. Droite moyen. J'ai pourtant arrêté d'accélérer. Mais au moins j'ai limité les dégâts. Oui mais j'ai fait demi-tour, c'est bon. Commence pas à me saouler toi. Oh mais en plus devant l'arrivée, mais quelle honte. Allez go menu principal parce que je vais changer de voiture. On va prendre la dernière voiture qui reste, la Renault, celle qu'on n'a pas encore testée. Au moins vous auriez pu vous avez pu voir un peu tous les véhicules. Et aussi toutes les courses, c'était juste le but de la vidéo. Bon après c'est plus une vidéo maintenant, c'est plus une compilation. Vu que maintenant je suis parti sur... Bah je suis parti sur autre chose. Ah il a gardé ça, cool. Bah du coup on part avec la Nouvelle-Zélande. Et après j'ai Safari quoi, j'ai tout sauf l'Angleterre. Dommage que l'Angleterre il l'ait pas mis là-dedans et qu'ils aient mis deux fois la Suède, je comprends pas pourquoi. On fera sans doute un autre jeu de rallye, un de ces quatre. Enfin, pas cette année. C'est l'année prochaine si on fait un autre jeu de rallye. Ce sera l'année prochaine. Parce que là, je vais avoir trop de choses sur le... Alors, la Renault Mégane, voyons voir un petit peu ce que ça vaut. Droite léger, sur gauche léger. Oula, doucement. Ça m'a l'air un peu... Elle m'a l'air un peu patin à glace, genre aéro-glisse. Gauche moyen. Ah, elle était là, je l'ai vu. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'on descend, en fait, c'est pour ça. Ça va, c'est pas dur. Nouvelle-Zélande, c'est pas ultra facile non plus. Hein. Je crois que c'est là où j'ai... Oula. C'est là où, avec, je crois que c'est avec la Suède, les pays où j'ai le plus galéré. Droite léger, sûr, gauche léger. Même pas l'Indonésie, mine de rien. Gauche léger. Droite léger. Aïe. Gauche moyen, sûr, droite moyen. Par contre, c'est vrai que la petite verdure qui est sur le côté là et qui me passe devant la voiture, je vois rien de ce qu'il y a derrière après. S'il y a un virage, je ne le vois pas. Je me suis déjà fait avoir plusieurs fois tout à l'heure. Droite léger. On arrive à la ligne d'arrivée, j'espère. Bon, 1:30, on y est presque. Boss. Où ça? Gauche léger. C'est là. Droite léger. Droite léger, allez, dernier virage. Droite léger. Celui-là. Oula. Non, c'est celui-là. Boss. C'est là. Voilà, juste à la bosse. Oh, doucement. Putain, la moto. Elle a tourné d'un seul coup. Mais genre, waouh.
Tu sens le virage un peu casse-couille? Non, c'est bon. Ouf. À fond! Nice. Nice, 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 nice. Ok, le safari, Suède et Alpes, il nous reste 3 circuits avant de s'arrêter. Je couperai la vidéo en 3 parce que c'est vrai qu'elle est trop longue. Et je la couperai peut-être même en 4 parce que c'est vraiment trop long. Je pense que je vais essayer de faire pareil pour Titeuf Mega Compète, vu que c'est le let's play que je compte faire juste après. Je pense que je vais faire le jeu d'une traite, vu que c'est un jeu qui est assez court. Et couper par partie comme je l'ai fait pour Verali, comme du moins je vais le faire pour Verali. Je pense que ça devrait aller. Non, il y a Elf sur les côtés. Ah oui, bah Elf c'est normal, c'est français. Eh mine de rien, on a Peugeot, on a Citroën et on a Renault. On a deux Peugeot, une Citroën, donc la Saxo. Deux Peugeot, on a la 306 et la 106. Et on a la Renault Mégane. Trois bagnoles qui sont françaises. En même temps, les Français, les bagnoles de sport, c'est surtout l'Europe. Attends, le son dans mon casque. Droite moyen. Qu'est-ce qui se passe avec mon casque? Attendez. Non, qu'est-ce que tu fais? Mais oui, mais forcément, je suis en train de trifouiller sur mon casque. Parce qu'en fait, j'ai le son dans mes oreilles qui... Je sais pas pourquoi la balance, elle vient de disparaître. Attends, je... Voilà, c'est bon. Je sais pas pourquoi, c'est... L'oreillette droite qui bug, je sais pas. Gauche léger, sur, droite léger. Oh non, ça me ferait chier que l'oreillette droite, elle bug. Oh non. Droite moyen. Bon, je vérifierai ça après. Droite léger. Attention. Gauche léger. Wow. Le safari, c'est pas facile. Gauche dur. Non, non, c'est vraiment pas facile. Droite léger. Oh, c'est absolument pas dur. Enfin, non, c'est absolument pas facile. Attention, radier. Droite dur. Oh, bah, c'est toujours mieux que les boss, hein. Aïe. Ouais, décidément. Droite moyen. Décidément, le safari m'en veut. Hein. Bon bah au moins c'est fini le safari. Ouf, on l'a fait le safari. On l'a fait, c'est vraiment pas facile. Ouais, il y a... Ah oui, effectivement, vers la fin. Vers la fin, c'était un peu relou. Enneigé, neige et journée. Oh mon dieu, on finit sur une nuit. Bon, on fait la Suède. Allez, c'est parti. Je vais peut-être quand même... Ah, je vais quand même allumer ma lumière, parce que moi, personnellement, j'y vois plus rien. Ça commence à faire nuit chez moi. 3, 2, 1... Go ! Allez, c'est parti. Renault Mégane versus Suède neige pendant la journée. Gauche léger, sur, droite léger. Bon, on va espérer... Oula, 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 j'ai pas vu les ravins. J'ai pas vu les ravins léger. Et j'ai roulé dedans. Gauche léger. Wow, doucement. Non, ça va, la Renault Mégane, elle se débrouille bien en Suède. Gauche léger. Droite léger. Sur, gauche léger. Ouais, on va dire ça. Droite léger. Par contre, ouais, si, c'est quand même un petit savon le truc, hein. Eh, doucement, doucement. Gauche léger. Oh, oui, 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 le ravin, le ravin, le ravin. Oh là là. Vas-y, vas-y, accélère, accélère, accélère. Ça vaut pas une Subaru, ça c'est sûr et certain. Je coupe. Bon, on va éviter de couper. Waouh, j'ai traversé la texture. Magnifique. Demi-tour. Gauche léger. On évite le ravin. Parce que c'est bon, j'en ai assez vu des ragdolls. Gauche léger. Gauche léger. Droite léger. Hop, encore l'histoire du pont. Ça va pas tarder, je pense. À moins qu'il y ait la ligne d'arrivée avant le pont. Je sais pas si on va encore avoir un pont avant la ligne d'arrivée. Voilà, ça m'a tout l'air d'être la ligne droite finale. Gauche dure. Ah, pas du tout. Gauche dure. Oh là là, gauche, je serais léger. Tellement mort. Waouh, waouh, waouh. Doucement. Non, bah non, c'est la fin.
2 minutes, je suis vraiment nul. Ah, effectivement. Oh non, celui-là c'est de la merde. Il y a 4 épingles à cheveux. Il y a des gros virages de partout. Bon, ben écoute, Renault Mégane, tu vas nous faire la fin. French Alps. Les Alpes françaises. Oh mon Dieu. Il fait noir. Il fait vraiment noir. Hein. Oh, on voit vraiment rien. Énorme. On voit vraiment rien, c'est énorme. En vrai, la nuit, même si c'est chiant, je trouve ça beau. Parce que j'adore la nuit. Ah oui, d'accord, on commence direct par les épingles à cheveux, d'accord. Bon, au moins, ça s'est fait, quoi. Ça, ça va, elles étaient pas ultra dures non plus, parce qu'elles sont en début de piste. Enfin, piste, en début de course. Droite dure. Ah oui, cache. Doucement. Ouch. Droite dure. Bon, maintenant, je vais pouvoir y arriver, vu que j'ai pas beaucoup accéléré. Droite dure. Oh là là, mais c'est pas possible, ça. Bon, la Renault Mégane et les Alpes, c'est pas très compatible, tout ça, hein. Mais la nuit c'est vraiment gauche léger, droite léger. Pire. Gauche léger, droite léger. Ah oui, enfin, droite moyen. Aïe, oui, aïe, oui, aïe. Je gauche vois léger, pas grand chose léger. Avec cette nuit. Droite léger, gauche léger. Gauche léger, droite léger. C'est un mix de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Gauche léger. Ah, gauche léger. Doucement, arrêtez. Gauche léger. Droite léger. Droite moyen. Oh là là, mais c'est quoi ça? Gauche léger, droite léger. Droite léger, gauche léger. Droite léger, gauche léger. Gauche léger, droite léger. Droite dure. Droite dure. Moi, ma droite aussi, elle est très dure. Non, mais non, j'ai pas pris là. Droite moyen. Sérieux. Aïe. Ligne d'arrivée. Droite léger. Ah oui, ligne d'arrivée. Eh ben, c'est bon, on a fini les Alpes. On a fini. C'était assez dur. Celui-là était vraiment dur. Et on l'a fini. Bah, c'est bon, on a tout fini, que je sache. On a fini le mode arcade hard. Bah, je crois qu'on a tout fait, c'est bon, je vais pouvoir m'arrêter là pour ce pour cette vidéo sur V-Rally. Hein, je vais quand même vérifier qu'on est bien fini. Ça, on l'a fait. Ça aussi, ça aussi. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Ça on l'a fait, ça aussi, ça aussi. Ça on l'a fait, la Corse on l'a fait. Ok, ça aussi, ça aussi. Et ça aussi, et ben voilà. On a fini V-Rally, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, petit pouce bleu, abonnez-vous, machin. Et nous on va se redonner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Celle-là sera découpée du coup en partie de 6 à peu près. Je vais essayer de voir. Entre 5 et 6 parties, je vais essayer de voir. Parce que évidemment je vais pas couper en pleine course, hein. Je vais quand même essayer de couper entre deux courses. Peut-être que je ferai des trucs de 30 minutes. On verra ça en fonction de comment ça se passe dans la vidéo. Du coup, moi je vous laisse là sur ce. Bye tout le monde !